Alléluia. Merci Seigneur. Your love is kind. Alléluia. Your love is patient. You fill my heart. Alléluia. So much merci Seigneur pour ta grâce. Joy. Merci Seigneur pour ton amour. Come on, you make my life. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love. Say, your love is kind. Oh! Your love is patient. Said you fill my heart, you fill my heart with so much ease and joy. Thank you, Jesus. Hey! Your love. Come on, say you make my life. You make my life different. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Maman Marika, maman Victoriana, Pasteur Blandine, que Dieu bénisse. Soyez bénis. Too much, alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta grâce. Nous voulons te bénir pour ton amour et pour ta bienveillance. Nous voulons te bénir pour ton œuvre à la croix. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence au milieu de nous. Dans ce mois de prière, merci d'étendre ta main, cher Saint-Esprit, de glorifier ton nom. Que l'honneur, la gloire, la majesté, ton bien, mon puissant de Dieu. Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence, mon puissant de Jésus. Seigneur, nous élevons nos voix vers toi, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire, Maître du ciel et de la terre. Merci, Seigneur, de manifester ta gloire, ton règne et ton autorité. Merci, Saint-Esprit, de répandre ta grâce dans nos vies ce soir. Nos yeux sont fixés sur toi comme nous comptons sur toi. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Dieu Tout-Puissant, et nous te bénissons. Merci, cher Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Soyez béni, maman Bita, que Dieu bénisse. Une bonne soirée. Soyez béni. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons élever nos voix pour dire Seigneur merci. Merci pour ces programmes de prière. Saint-Esprit, nous voulons te dire merci. Merci pour ces programmes de prière. Merci de nous accompagner dans ce programme, cher Saint-Esprit. Sommes là, toi l'Esprit de grâce et de faveur. Viens inonder nos vies, Saint-Esprit de Dieu. Merci, merci. Merci, Saint-Esprit, de combler nos vies de ta vie. Merci, cher Saint-Esprit, de nous combler de toi, ô puissant de Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te rendons toute la gloire. Merci, cher Saint-Esprit, ô puissant de Jésus. Alléluia.
Merci Seigneur. Saint-Esprit, guide-nous. Sois béni, maman Janine. Faut la bien-aimée dans le Seigneur. Voulons ce soir, bien-aimé, prier. N'est-ce pas, bien-aimé, pour démasquer les déguisements. Les déguisements comme armes diaboliques. Tout à l'heure, on a eu la prière à 18h, mais malheureusement, il y a eu coupure. Moi, j'ai continué et j'ai commis l'erreur de relancer. Donc, j'étais en train de filmer dans le vide, quoi. Je n'étais pas connecté en live. Mais qu'à cela ne tienne, bien aimé, nous revenons sur ces programmes de prière. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, bien aimé, les déguisements comme armes. Comme armes diaboliques, n'est-ce pas? Comme armes diaboliques, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi nous disons les déguisements comme armes diaboliques? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, Satan, c'est un rusé. Bien aimé, Satan utilise tous les moyens possibles pour nous assujettir. Satan utilise tous les moyens possibles pour nous soumettre à sa volonté. Et pourtant, bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous appelle à rentrer dans notre héritage. Telle est la volonté de Dieu. Que nous puissions rentrer dans notre héritage. C'est ce que Dieu veut, c'est à quoi, bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous a destinés. Que nous puissions rentrer dans notre héritage. Et ça, c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Très important. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous a pas délivrés pour un plaisir. Dieu nous a délivrés, bien aimé, pour que nous puissions, bien aimé dans le Seigneur, marcher selon sa volonté, faire sa volonté, rentrer dans notre héritage selon sa volonté. C'est pourquoi il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de bonheur et non de malheur, dit l'Éternel, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Un avenir, bien aimé dans le Seigneur, et de l'espérance. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul nous enseigne sur les combats spirituels. Bien aimé dans le Seigneur, pour montrer que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés, bien aimé dans le Seigneur. Il nous a délivrés pour que nous puissions rentrer dans notre héritage. Comme les enfants d'Israël, Dieu les a délivrés de l'Égypte et la destination finale, c'était Canaan. C'est vrai, tout au long de leur parcours, ils ont connu, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup d'embûches, beaucoup de situations difficiles et compliquées. Il y a eu beaucoup de rebondissements. D'ailleurs, même pour dire vrai, ceux qui étaient sortis vraiment de l'Égypte, nombreux, presque tous sont morts, excepté Caleb et Josué. Ce sont leurs enfants de 20 ans, à partir de 20 ans, bien aimé dans le Seigneur, qui ont hérité la terre promise, finalement. Tous, ils sont morts, bien aimé, dans le désert. Pour montrer, bien aimé dans le Seigneur, combien la vie chrétienne, c'est une vie d'obéissance. C'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Une vie d'obéissance. Alors pourquoi l'apôtre Paul, dans 2 Timothée 3, il nous montre l'image que c'est à quoi Dieu nous a appelé. Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, là, l'apôtre Paul montre clairement. Excusez-moi, je suis vraiment arrumé. L'apôtre Paul montre clairement, bien aimé dans le Seigneur, que nous avons été enrôlés dans l'armée du Seigneur. Nous avons été enrôlés. Et donc, en tant que soldat, bien aimé dans le Seigneur, donc, tout chrétien, bien aimé dans le Seigneur, est enrôlé dans l'armée du Seigneur. Et tout chrétien, bien aimé dans le Seigneur, être chrétien signifie être engagé, bien aimé, dans la guerre spirituelle. Être engagé, bien aimé dans le Seigneur, dans la guerre. Il dit, toujours l'apôtre Paul, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Dieu nous a appelés, mais il montre qu'il y a un combat. Et ce combat-là, nous ne devons pas mener ce combat sur le plan visible, sur le plan matériel. Mais c'est un combat que nous devons mener sur le plan invisible, sur le plan spirituel.
Il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu des dieux pour renverser les forteresses. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur. Donc notre combat n'est pas charnel. Notre combat est bien sûr spirituel. Donc nous devons, bien aimé dans le Seigneur, défendre notre position. Ne pas tomber dans les ruses du diable. Bien aimé, ne pas tomber dans les manipulations diaboliques. Ne pas tomber, bien aimé, dans les plans du diable, dans les pièges du diable. C'est pourquoi toujours lui, l'apôtre Paul, bien aimé dans le Seigneur, il nous dit que ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Donc, bien aimé, dans notre vie chrétienne, nous devons garder notre position. Donc, rester debout, rester ferme dans notre marche avec le Seigneur. Tomber signifie, bien aimé, dans le Seigneur, que nous avons été vaincus. Et garder, bien aimé, rester debout, marcher avec le Seigneur, signifie, bien aimé, dans le Seigneur, que nous sommes dans la victoire. Vous voyez? D'où, bien aimé, dans le Seigneur, là, c'est à quoi Dieu nous appelle, bien aimé, c'est une vie de victoire, certainement. Et dans Éphésiens, il dit que, 6, le verset 11, il dit, bien aimé, vous revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, les ruses du diable. Et parmi les ruses du diable, nous avons, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de ruses. Parmi lesquels, bien dans le Seigneur, il y a la dissimulation ou les déguisements. Deuxièmement, bien dans le Seigneur, il y a l'aveuglement spirituel. Troisièmement, bien dans le Seigneur, il y a l'assoupissement spirituel. Quatrièmement, bien dans le Seigneur, il y a la manipulation. Cinquièmement, bien dans le Seigneur, il y a la fascination ou l'envoûtement. Et sixièmement, bien aimé dans le Seigneur, nous avons le contrôle. Et puis, septièmement, il y a une autre arme, la séduction. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, la séduction. Mais ici, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais parler. Soyez bénis, Maman Marie, à Maman Marie-Jeanne, que Dieu vous bénisse. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais parler de le déguisement comme arme spirituelle à démasquer. Nous devons démasquer le déguisement. Parce qu'il dit, bien-aimé dans le Seigneur, que notre lutte n'est pas charnelle. Et notre lutte n'est pas charnelle. Notre lutte est spirituelle. Et dans cette lutte spirituelle, nous luttons contre les déguisements. Ça veut dire, bien aimé dans le Seigneur, nous luttons, bien aimé dans le Seigneur, contre le travestissement, contre la dissimulation. Oui. La dissimulation, les travestissements ou les déguisements. Alors, ça veut dire quoi, le déguisement? C'est le fait, bien aimé, de se déguiser ou de déguiser, bien aimé dans le Seigneur, de déguiser quelqu'un. Le travestissement. Ouais.
Ça veut dire, bien dans le Seigneur, habiller quelqu'un de façon à les rendre méconnaissables et à les faire ressembler à quelqu'un d'autre. Ça veut dire modifier quelque chose dans une personne pour tromper, pour dissimuler, pour maquiller. C'est ce qu'on appelle la contrefaçon. C'est déformer. Déformer la vérité. Déformer la pensée de quelqu'un. Les intentions faussées, truquées, bien, mais cacher un sentiment, cacher un état. C'est ce qu'on appelle le déguisement. Et bien, mesdames, le Seigneur, le maître du déguisement, c'est Satan, le diable. La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, dans 2 Corinthiens. D'abord, avant 2 Corinthiens, regardez, bien aimé dans le Seigneur, comment Satan s'est déguisé. Bien aimé, il a pris le corps du serpent. Il a pris le corps du serpent. Il dit, serpent, écoute, prête-moi ton corps. Je vais l'utiliser pour un temps et puis je vais te le rendre. Le serpent était le plus risé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Allez, mais dans 2 Corinthiens 11, il nous dit clairement, ouais, d'abord ici, je vais relire d'abord ça, le verset 2 hein, de Genèse 3, il dit, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit, à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Voilà. Il arrive à dénaturer, mentir, arriver à calomnier Dieu auprès d'Adam et Dieu sait que. Donc Dieu est en train de vous priver la connaissance du bien et du mal, que vous deveniez comme lui. Alors lui vous dit qu'il est bon, il n'est pas bon, si réellement il était bon, il vous aurait donné ce dont vous avez besoin. Mais pourtant, ce n'était pas utile pour eux. Vous voyez, mesdames et messieurs, le Seigneur, comment il arrive à dénaturer la parole. C'est ça le déguisement. Il est arrivé à dénaturer la parole. Masquer la pensée véritable de Dieu. Induire quelqu'un en erreur. C'est la ruse, hein? Voilà. Il dit que dans Corinthiens 11, le verset 3, 2 Corinthiens 11, le verset 3. De même, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Vous voyez, n'est-ce pas? Vos pensées ne se corrompent et ne se détournent par la séduction. Bien-aimés, le déguisement fait que, bien aimé dans le Seigneur, dans la plupart des cas dans nos vies, ça
Arriver à transformer, bénévole dans le Seigneur, une chose en lui donnant, bénévole dans le Seigneur, un aspect mensonger qui en dénature le caractère. C'est le fait de falsifier, le fait de maquiller, de travestir le fait ou travestir un récit, maquiller un récit. La pensée de quelqu'un. Voyez, on peut arriver à changer le sens de la pensée de quelqu'un. Arriver à changer le sens de quelque chose. C'est ainsi que dans De Corinthiens 11, le verset 13, il dit que ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Voilà. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Vous voyez bien dans le Seigneur. Le mot déguisement est trois fois. Les apôtres se déguisent, Satan se déguise et les ministres de Satan aussi se déguisent. Satan se déguise, les faux apôtres se déguisent et les ministres de Satan aussi se déguisent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention au monde dans lequel nous sommes actuellement. Des gens peuvent bien-aimés nous pousser à faire des alliances avec eux, à notre insu, parce qu'ils ont utilisé bien-aimés la ruse, la dissimulation. Ils se sont cachés derrière certains faits. Ils se sont cachés derrière certaines attitudes. Ils viennent bien-aimés dans le Seigneur comme étant soit un pasteur, mais derrière, bien dans le sens, c'est un lourd ravisseur. Il vient avec la parole, une parole qui touche, une parole percutante, entre guillemets. Bien dans le Seigneur, c'est le temps de la fin. Regardez un peu cette histoire où les enfants d'Israël se sont gourés en faisant alliance avec les Gabaonites, ce qui ne leur était pas autorisé. Mais l'alliance avait été scellée. Josué 9. Verset 3. Les habitants de Gabaon de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse. Bien-aimés dans le Seigneur, tu dois faire très attention. C'est lorsque les gens voient comment Dieu est en train d'agir dans ta vie, comment Dieu t'a béni, comment Dieu t'a élevé, comment Dieu t'a mis au large, que les gens, Satan va envoyer les gens pour venir, bien-aimés dans le Seigneur, sceller avec vous toutes sortes d'amitiés, toutes sortes d'alliances. Si vous ne faites pas attention, ces gens vont vous faire sceller des alliances qui vous coûteront trop cher. Ils vont vous piéger. Faites attention. Plus Dieu est en train de vous élever, bien dans le Seigneur, Satan multiplie des stratagèmes pour vous piéger. Oui, bien dans le Seigneur, ils eurent recours à la ruse. Quelle ruse? Ils se sont déguisés. Et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs, vous voyez, n'est-ce pas? De vieux sacs pour leurs âmes. De vieux sacs. Et de vieilles outres avec déchirées et recousues. Pour montrer qu'ils venaient de trop loin. D'ailleurs, il faut le dire. Regardez. C'est ça le déguisement. Ils portaient à leurs pieds des vieux souliers raccommodés. Vous voyez comment la ruse, il choisit de porter des vieux souliers, des vieilles chaussures à raccommoder pour montrer qu'ils viennent de tellement de loin en chemin, les chaussures se sont usées et ils ont raccommodé leurs chaussures.
et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Oui, mais le Seigneur, pour montrer que l'on vient tellement de loin, regarde même notre pain tellement sec à cause du chemin qui a été trop long. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et ils lui dirent ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. Oui, mais le Seigneur. Mais pourtant, le fait qu'ils étaient dans la contrée, ils ne pouvaient pas sceller alliance avec les enfants d'Israël. Donc, ils devaient se déguiser pour montrer qu'ils venaient de trop loin, afin que les autres puissent sceller alliance avec eux. Vous voyez le recours, la ruse. Mais c'est comme ça, mesdames le Seigneur, certaines femmes ont poussé les hommes à les épouser. Parfois, c'est le pousser, mesdames le Seigneur, dans l'acte sexuel pour qu'elle attrape grossesse. L'homme aussi, mais le Seigneur, parfois, forcer l'homme, mais le Seigneur, dans l'acte sexuel pour qu'elle attrape grossesse. Parce qu'on est rusé. Surtout notre Europe ici. C'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Des gens ont eu des enfants, pas parce qu'ils voulaient les avoir. Ils ont eu les enfants parce qu'ils voulaient avoir les papiers. Je vais seulement avoir un enfant parce que, à travers lui. Donc, cet enfant n'est pas né parce que papa et maman ont voulu qu'il naisse. Cet enfant est né parce que derrière lui, il y a les papiers. C'est un débat assez compliqué, mais c'est la réalité, en fait. Alliance. Faites alliance avec nous. Tu peux te marier avec moi, je t'aime. Un enfant, deux enfants, ah non, non, je vais faire ma vie. C'est bon quoi? J'ai mon papier, j'ai tout ce qu'il faut, mais là je vais faire là. Les enfants là, je m'en fous, débrouille-toi avec ces enfants là. Débrouille-toi avec ces enfants. Moi je ne les ai pas eu pour, non, non, je les ai eu pour le papier. J'ai déjà les papiers, j'ai pas, reste avec tes enfants. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferions-nous alliance avec vous? C'est-à-dire que vous êtes les gens de cette contrée, si nous ne sommes pas appelés à faire alliance avec vous, c'était interdit par Dieu. Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ils répondirent, et ils lui répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné. Vous voyez les mensonges. Dans les déguisements, les mensonges masquaient la vérité. Sur le nom de l'Éternel, ton Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas? Ils sont en train de mentir, mais en disant, sur le nom de l'Éternel, ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte. Dans le Seigneur. Arrêtez de croire que lorsque quelqu'un vous cite Dieu, lorsque quelqu'un prie en langue, lorsque quelqu'un parle en langue, lorsque quelqu'un te cite la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, arrêtez d'être naïf, de croire que, mais qu'il est vrai dans son cœur. Je ne sais pas, nous les chrétiens, nous les pasteurs, nous allons prêcher comment pour que vous nous écoutiez. C'est pas parce que quelqu'un qui dit Seigneur, Jésus l'a dit. C'est pas celui qui dit Seigneur, c'est lui qui entrera dans l'Europe des cieux. Tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur le renom de l'Éternel, ton Dieu. Car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte. Et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion, roi d'Hesbon et Og, roi de Bazan, qui étaient à Ashtaroth.
Et nos anciens, révélés dans le Seigneur. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage. Allez au-devant d'eux et vous leur direz. Nous sommes vos serviteurs. Et maintenant, faites alliance avec nous. Vous voyez, n'est-ce pas? Faites alliance avec nous. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous en avons fait des provisions. Sur le nom de l'Éternel, là, il parle le nom de l'Éternel. Dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant il est sec et amietté. Pourtant, c'est faux. Déguisement. Ces outravins que nous avons remplis toutes neuves, les voilà déchirés. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Voyez bien dans le Seigneur. Ils ne consultèrent point l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, le déguisement est une des armes puissantes que Satan utilise pour piéger beaucoup d'enfants de Dieu. Bien-aimés, ça peut être même dans les affaires. Quelqu'un, bien-aimés, peut te faire entrer dans une affaire. Les histoires ici de Tontine, de Makelemba, fais attention. Parfois, bien-aimés, tu peux mélanger ton argent avec quelqu'un, bien-aimés, l'argent vient, c'est de l'argent de fétiche. Toi, ton argent, c'est l'argent de ton salaire. L'argent, ce n'est pas venu de ton chômage, mais l'argent peut-être de ton, je ne sais pas, à ta pension. Mais l'autre, son argent, c'est l'argent de fétiche. Il vient, il te donne son argent. Tu vas mélanger avec ton argent. Et puis, ça va te faire parfois des réclamations. Mais pourquoi? Je ne dis pas que c'est mauvais, hein. Mais il faut le faire avec des bonnes personnes. Et puis, pourquoi ne pas seulement, bien aimé, avoir un compte, son propre compte, un compte d'épargne? C'est ce qui me choque. Mais si tu as un compte d'épargne, les Belges ici, dans les pays dans lesquels nous sommes, mais là, ils font quoi? Ça peut aider les gens, bien aimé, dans des endroits là où il n'y a pas de banque. Mais tu as un compte d'épargne, mets l'argent dans ton compte d'épargne. Décide-toi pendant une année, tu dis au banquier, je ne toucherai pas ces comptes ici. Tu commences à mettre l'argent là-dedans. 500, 500, 500. Mais 12 mois, tu auras 6 000 euros pour ton projet si tu veux acheter une voiture. Ce n'est pas le fait d'aller donner 500 à quelqu'un, encore 3, 500 petit à petit, pour que ce sera ton tour, tu auras autant. Non, tu ne connais pas les gens avec qui tu es en train de faire alliance en matière d'argent. Il y a des gens qui le font sciemment, mais pour plus tard, commencer à te réclamer l'argent. Spirituellement parlant, l'argent commence à crier. Fais attention. Consulte Dieu avant d'entrer dans une histoire pareille. Consulte ton Dieu. Vous ne connaissez pas les intentions des gens, bien-aimés, dans leur cœur. Mais qu'est-ce que vous en savez? Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Tu lui donnes ton argent, bien-aimés, oh, donne-moi l'argent. Il va avec ton argent, mais dormir avec ça au cimetière. Ton argent. Les jours que tu le lui donnes, il va avec ça au cimetière toute la nuit. Et tu commences à avoir des problèmes d'argent. Parfois, tu commences à avoir des problèmes de santé. Parce que tu as voulu entrer dans les tontines, les likelemba. Hein? J'ai donné 300. C'est moi ici, c'est 300, 300. Et après, quand ça sera mon tour, on est à 10, j'aurai 3000. Mais cherche un compte d'épargne si tu es dans nos pays ici. Mets dans ton compte d'épargne, bloque. Tu ne te rien de parler avec des gens que dont tu ne maîtrises pas les contours de leur cœur. Mais vous voulez maîtriser les contours de mon cœur, il n'y a que Dieu qui peut vous le révéler.
quelqu'un qui est Dieu. Je peux vous parler, oh, lui, il est vrai, le pasteur Jean-Paul. Mais non, priez Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut vous révéler les contours de mon cœur. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Ça veut dire quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Déguiser, bien-aimés, ça veut dire déguiser une personne en lui faisant porter, bien-aimés, en lui faisant prendre l'habit de l'autre. Ou en lui faisant bien-aimés, prendre, bien-aimés, dans le Seigneur. Une condition qui n'est pas la sienne. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, les gens d'Israël n'ont pas consulté Dieu. Les hommes d'Israël prient de leur provision et ils ne consultèrent point l'Éternel. Consulte Dieu, bien-aimés, avant de t'associer avec quelqu'un dans une affaire. Consulte Dieu. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie et les chefs de l'assemblée les leur jurèrent. Et vous savez ce qui s'est passé après? Quelques jours après, 3 jours après la conclusion, le verset 16, hein, 3 jours après la conclusion de l'alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le 3e jour. Leur ville était Gabaon, Kephira, Beroth et Kirjath-Jéraïm. Ils ne les frappèrent point parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre ces chefs. Et tous les chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et maintenant, nous ne pouvons les toucher. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses pour lesquelles on t'entraîne, mais on te piège, et puis ça devient trop tard. Parce que celui qui est venu te piéger s'est déguisé, il s'est caché. Il a fait de la dissimulation. Bien-aimés, il a fait les camouflages. Il s'est masqué. C'est peut-être après, bien-aimés, quand les masques sont tombés, tu as dit, oh, c'est comme ça qu'elle est. C'est comme ça qu'il est. Ce sont des cas souvent, bien-aimés, dans le mariage. Hein? Alléluia. Il est bien-aimé dans le Seigneur, que la plupart sont venus en habit. Alléluia. Comme il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, dans Matthieu 7. Non, mais il faut comprendre. Hein. Matthieu 7. On doit prier parce que, bien-aimé dans le Seigneur, non, nous avons beaucoup parfois été victimes. On a fait parfois des alliances sans les savoir et nous sommes tombés dans les panneaux. Mais c'est parfois, mais on nous a entraînés dans des milieux où on ne devait pas entrer. Et dans ces milieux, tu as tissé l'alliance sans les savoir. On t'a invité dans une fête où tu as mangé ce que tu ne pouvais pas manger. Une nourriture envoûtée. C'est pourquoi il faut être avec Dieu. Il faut être avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, nous sommes dans un monde tellement difficile et compliqué. C'est compliqué. Il faut être,
Il faut d'abord être vrai avec Dieu. Parce que, mais Dieu connaît ce qui est caché. Alléluia. Dieu connaît ce qui est caché. Matthieu 7, le verset 15 à 16. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous le connaîtrez à leurs fruits. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est comme ça, bien-aimés, dans tous les domaines. Les gens viennent à nous, bien-aimés dans le Seigneur, en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Dans le domaine des affaires, dans les amitiés, bien-aimés dans le Seigneur. L'amour, dans les domaines maritaux. Nous ne savons pas les gens qui viennent à nous, bien-aimés dans le Seigneur. Dans l'église, n'en parlons même pas, ces temps qui courent. Bien-aimés, les faux prophètes pilulent partout. Mais ils viennent en vêtements de brebis. Ils lisent longuement la Bible. Bien-aimés, ils la lisent longuement. Et ils parlent au nom de Dieu, bien-aimés. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont venus au nom de Dieu, nous avons appris. C'est ce que les Gabonites ont dit. Il dit, votre Dieu là, nous avons appris que c'était un Dieu grand. Nous avons appris tout ce qu'il a fait. Oh là là, votre Dieu est terrible. Et quand ils ont entendu seulement ça, ah oui, c'est vrai, tu as vu. Ils ont appris comment notre Dieu a traité ces gens-là, partout là où nous sommes passés. Donc, ils ont eu la nouvelle comme quoi que nous sommes forts. Nous, notre Dieu est puissant. Notre Dieu est grand. Tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur les renoms de l'Éternel, ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte. Et on leur a fait sceller une alliance. Mauvaise alliance. Les gens, bien-aimés, qui viennent à vous, ne vous laissez pas venir dans le Seigneur. Ébloui par des paroles mielleuses. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a que Dieu, bien-aimé, qui connaît ce qui est caché. Dieu seul voit ce qui est caché. Il n'y a que Dieu qui peut t'ouvrir les yeux pour voir ce qui est caché. Ou même s'il ne t'ouvre pas les yeux, mais il peut te protéger, te préserver. Bien-aimé, le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde bizarre. On peut te faire manger de la saleté. Hein. Jérémie 16, le verset 18. Car mes yeux sont attentifs à toutes leurs voies, elles ne sont point cachées devant ma face, et leur iniquité ne se dérobe point à mes regards. Ouais, ça c'est Dieu qui parle bien dans le Seigneur. Il dit, mes yeux sont attentifs à toutes leurs voies, et elles ne sont point cachées devant ma face, et leur iniquité ne se dérobe point à mes regards. Donc il n'y a que Dieu qui voit. Dieu ne peut pas cacher. Ésaïe 25 et 29. Oui. Ésaïe 29, le verset 15. Il dit, malheur à ceux qui cachent leur dessein pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent qui nous voit et qui nous connaît.
Déjà, beaucoup de gens font leurs œuvres dans le ténèbre. Nous ne savons pas les voir. Des gens qui sont dans la société nous fréquentent dans l'église. Ils amènent à manger quand il y a des fêtes. Ce sont des gens très gentils d'ailleurs. Leur but, bien-aimé, c'est de lier les gens. Leur but, c'est de faire sceller des gens aux gens, bien-aimé, des alliances maléfiques à travers la nourriture. Attendez. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez Apocalypse. Apocalypse 3. Apocalypse 2. Vous voyez dans le Seigneur, à partir du verset 18. Écrit à l'âme de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta confiance, ta constance, tes dernières œuvres sont plus nombreuses que le premier. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Ouais, n'est-ce pas? Jézabel se dit prophétesse. Enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Oui, dans le Seigneur. Qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens viennent faire sceller des alliances avec le monde spirituel, le monde démoniaque, le monde des sorciers, à travers le repas, à travers la nourriture dans l'église. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut prier. Alléluia, vous êtes maman, vous êtes chargé dans l'église, le repas, vous devez être quelqu'un qui prie très consacré à Dieu. Pour que Dieu vous mette à cœur quand il y a des événements tels vont préparer. Que Dieu vous donne des gens sur qui vous pouvez vous appuyer. Il y a des gens qui viennent vous témoigner, les gens dont l'esprit est faible, les lier complètement. Amenez, bien aimé, les gens dans les sommets spirituels. Envoûtez les gens, bien aimé. Parfois même à quitter l'église. Vous, mais cette personne, c'était quelqu'un qui était tout fait. Mais depuis un certain temps, il a même quitté l'église. Mais il a été envoûté dans l'église. Ici, on parle à quelle église? L'église, c'est une église. L'église est Thyatire. Il dit, je connais, mais écoutez, mais regardez un peu les qualités de cette église. Regardez les qualités. Le problème de cette église, c'est le manque de prudence. Le manque de discernement. Il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que le premier. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui s'est dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Vous voyez, deux choses, l'impudicité et la nourriture. Ce sont des choses qui détruisent les églises. Les gens, bien-aimés, amènent la débauche dans l'église. Des gens qui ne comprennent pas, oh, parce qu'il a, il m'a dit qu'il va m'épouser, voilà. On ne sait jamais, parce que. Mais vous lui donnez votre corps, bien-aimé, le Seigneur. Mais il vous envoûte. La sorcellerie passe par l'impudicité, par les relations sexuelles et par la nourriture. Mais ce sont les voies les plus excellentes. Et le plus facile par lequel on envoûte les gens, on ensorcelle les gens. On arrive à sceller les alliances avec le monde occulte. La voie de la sexe et la nourriture est réservée, c'est envoûté. La nourriture sacrifiée aux idoles. Bien-aimés dans le Seigneur. Eh bien, ce sont des gens parfois qui sont dans les églises. Ils ne quittent jamais l'église. Ils sont toujours là. Et ils sont scellés. Ce sont des gens qui donnent l'argent dans l'église. Chaque fois qu'il y a un événement, ils sont là. Elles sont prêtes. Généralement, ce sont les femmes. Hein. Généralement. Oui. Voici, écoutez bien. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentit. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Mais il y a des gens qui sont dans les églises, ils amènent la débauche, séduire.
Mais il y a des hommes, mais ils n'ont pas voulu tomber dans l'impudicité. Malheureusement, mais la faiblesse, ils sont tombés. Faites attention à croire que ces gens ont fait sciemment. Il y a des femmes, bien-aimés, qui leur spécialité, c'est de séduire même les pasteurs. Bien-aimés, il faut prier pour nous. Ils se déguisent, bien-aimés, ce sont des gens gentils, priant Dieu, qui sont toujours là dans toutes les réunions, mais au service du diable. Un autre travail, c'est seulement les églises. Faire tomber le pasteur, faire tomber, briser le mariage dans l'église. Envoûter, mesdames et messieurs, les jeunes gens à ne pas contracter mariage parce qu'ils ouvrent la porte aux démons. Mesdames et messieurs, nous devons beaucoup prier. Le temps de la fin ici. Cette activité, elle s'amplifie de plus en plus dans les églises. Surtout là où il y a des gens, beaucoup de gens. Vous croyez que les gens viennent parce que oh, il y a l'onction, Dieu agit. C'est faux. Beaucoup viennent parce qu'ils ont une mission. Faire tomber aussi les gens. Elle refait se repentir. Hein. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentit. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Vous croyez que, oh, de toute façon, elle comprend avec le temps. Non, 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 non. Elle ne circule que là, les hommes, les pasteurs, pour les faire tomber. C'est pourquoi il faut bien prier pour l'église, prier pour les pasteurs, prier pour ceux qui sont tombés, que Dieu les relève. Il y en a bien qui n'ont pas fait sciemment. Ils ont été des victimes de l'esprit de Jézabel. Alléluia. Du déguisement satanique. L'arme de séduction. Il y en a même, mais elle sait que vous allez divorcer. Elle vient te faire tomber la personne. Dès lors que la table grossesse, elle fait même un enfant. Parce que cet enfant, c'est un enfant qui est déjà voué à être sacrifié à la sorcellerie. Mais l'homme commence à souffrir toute sa vie avec une culpabilité. D'être tombé d'abord dans l'église. Mais dans le Seigneur, au lieu de passer le temps à critiquer les pasteurs, passer le temps à prier pour nous. Nous sommes au front, ce n'est pas évident. Il y a des gens, mais qui sont préparés dans le monde occulte juste pour venir séduire les pasteurs. De Jézabel. Nous allons prier, bien-aimés, dans le Seigneur. Notre prière de ce soir, bien-aimés, que Dieu nous donne le discernement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien-aimés, Dieu voit tout. Nous n'avons de choix que de nous confier en Dieu parce que Dieu voit tout. Marc 4, le verset 22 nous dit quoi? Dieu voit tout. Il n'y a rien de caché. Il n'est rien de caché qui ne doive être découvert. Rien de secret qui ne doive être mis au jour. Rien. Vous voyez, dans le Seigneur. Tout ce qui est caché paraîtra au grand jour. Et tout ce qui est secret sera mis en pleine lumière. Alléluia. Voilà où nous devons prier. Bien-aimé, que Dieu puisse démasquer, bien-aimé, dans le Seigneur. Ceux qui sont venus, bien-aimé, dans le Seigneur avec un pot de brebis, mais à l'intérieur, bien-aimé, ce sont des loups ravisseurs. Bien-aimé, qu'ils soient démasqués. Alléluia. Mais qu'il soit démasqué au nom puissant de Jésus-Christ. Mais briser les alliances qu'on nous a fait, c'est les... Mais parfois, Satan peut venir même à travers les rêves.
Oh, j'ai fait un rêve. On était avec quelqu'un, on est arrivé, et là, on a fait. C'était un beau mariage. Mais toi, tu es déjà marié. Mais tu fais un mariage avec quelqu'un que tu ne connais pas. Et tu acceptes ce mariage. Mais tu peux faire un mariage avec un sorcier, avec un diable. C'est le spirituel. Fais attention, même les rêves. Alors nous étions dans une fête, je ne voyais pas les gens. Les gens étaient habillés en noir, mais oh, on a donné la nourriture, on a mangé, il y avait de la viande. Mais attention, tu peux manger mais la viande, la chair humaine dans le rêve. C'est comme ça qu'on peut te connecter sur le monde occulte. Fais attention. Même dans les rêves, il faut prier dans le Seigneur. Même dans tes rêves, il faut prier pour briser les rêves maléfiques. Détruire les alliances à travers les rêves. Vous allez lever nos familles dans le sens, nous allons prier. On a peut-être 11 minutes pour terminer. Nous allons prier. Mais s'il nous est arrivé inconsciemment, alléluia, ils n'ont pas consulté Dieu. C'est ça l'erreur. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Les enfants d'Israël n'ont pas consulté Dieu. C'est l'erreur. Ils ont pris de leur provision. Ils ne consultèrent point l'Éternel. Voilà la grosse erreur. Apprends à consulter Dieu. Même dans une simple affaire. Prendre un crédit. Consulte Dieu. Demande Seigneur. Et c'est ta volonté. Nous croyons que tout nous est dû. Non. Consulte Dieu. Alléluia. Nous allons lever nos bénévoles. Seigneur, nous venons devant toi pour implorer ta miséricorde. Ta miséricorde, c'est notre Dieu, pour avoir fait des choses sans te consulter. Et ça nous a plongé dans des pétrins plus tard. Commence à élever la bénédiction. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous implorons ta miséricorde et ton pardon éternel, le Dieu Tout-Puissant. Tu y es le Dieu de pardon. Tu y es le Dieu de miséricorde. Nous sommes devant toi, éternel, notre Dieu, encore ce soir, parce que nous savons qu'il nous est arrivé de faire des alliances sans le savoir. Il nous est arrivé, c'est notre Dieu, d'entrer dans des affaires sans le savoir, de faire des amitiés, des associations, c'est notre Dieu, sans connaître celui qui est en face de nous, celui avec qui nous sommes en train de nous tisser d'amitié ou d'association. Tendre Père, que tu nous aides, éternel, notre Dieu, j'implore ta miséricorde, Seigneur, pardonne mon frère, pardonne ma soeur, éternel, notre Dieu, nous avons fait des choses sans te consulter, tout ce que nous avons fait, Seigneur, sans te consulter, nous avons commis des erreurs. Éternel notre Dieu, nous avons ce notre nous sommes entrés dans le champ de l'ennemi parce que nous ne t'avons pas consulté. Maître du ciel et de la terre, Seigneur, souviens-toi, nous sommes tes enfants, nous sommes ton peuple, éternel Dieu Tout-Puissant. Tendre Père, alléluia, souviens-toi, éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions, Dieu Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, aie pitié de nous, là où nous avons scellé des alliances sans te consulter, nous implorons ton pardon et ta miséricorde, au nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu de miséricorde. S'il te plaît, éternel Dieu Tout-Puissant, j'implore ta miséricorde et ton pardon. Là où j'ai fait des alliances sans te consulter, j'implore ta miséricorde, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, j'implore ta miséricorde, au nom de Jésus. Tendre Père, merci pour ta grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas renoncer, bien-aimé, tu vas renoncer à toutes les alliances, bien-aimé, que tu as scellées sans consulter Dieu sur le plan spirituel, bien-aimé. Si, bien-aimé, il t'est arrivé, bien-aimé, de faire des alliances, même à travers le rêve, bien-aimé, tu vas renoncer à ces alliances-là. Alléluia. Bien-aimé, tu vas renoncer. Parfois, bien-aimé, tu as mangé de la nourriture envoûtée, même à travers le rêve. Bien-aimé, tu vas renoncer, bien-aimé, à ces alliances que tu as scellé sans le savoir, inconsciemment, parce que, bien-aimé, dans le Seigneur, tu étais distrait, spirituellement parlant. Mais nous allons renoncer, bien-aimé, à toutes les alliances maléfiques, bien-aimé, que nous avons scellées avec l'ennemi. Alléluia. Consciemment ou inconsciemment, même à travers les rêves, bien-aimé, nous allons renoncer à ces alliances au nom puissant de Dieu. Alléluia.
Élève-la, bénévole, par le sang de Dieu. Commence à renoncer à ces alliances. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Je vais renoncer, éternel, notre Dieu, à toutes les alliances maléfiques que j'ai eu à sceller avec le monde occulte, avec le monde des sorciers. Éternel Dieu Tout-Puissant, je renonce à ces alliances au nom puissant de Jésus. Je renonce à ces alliances et je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde, maître du ciel et de la terre. Merci, c'est notre Dieu, pour ta grâce et pour ta faveur, pour ton amour et pour ta fidélité. Je renonce, éternel Dieu Tout-Puissant, à toutes les alliances que j'ai scellées, même à travers les rêves. Je renonce à toutes les alliances scellées dans le rêve, sans le savoir. Je viens y renoncer au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les alliances que j'ai scellées, tendre Père, quel que soit le moyen par lequel ces alliances ont été scellées, je viens y renoncer par le sang de Jésus, par le sang de la nouvelle alliance. Je renonce à toutes les alliances que j'ai scellées avec le monde occulte sans le savoir, consciemment ou inconsciemment. Je viens renoncer à ces alliances et je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Je proclame la victoire du sang de la nouvelle alliance, maître du ciel et de la terre. Seigneur, glorifie ton nom et manifeste ta gloire. Les dieux de gloire, les dieux d'amour, les dieux de paix. Seigneur, souviens-toi, ô éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, grand roi de l'univers. Merci pour ta victoire. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus, Dieu Tout-Puissant, lève-toi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Au nom puissant de Jésus-Christ, les dieux de gloire, les dieux de puissance, les dieux de miséricorde, les dieux d'amour. Éternel Dieu Tout-Puissant, que tu te lèves dans les moindres détails de nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous renonçons à toutes ces alliances. Nous y renonçons. Nous renonçons à toutes ces alliances maléfiques. Au nom puissant de Jésus-Christ et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Bienvenue, tu vas prier maintenant, bienvenue, tu vas briser toutes les alliances que tu as scellées avec le monde occulte, consciemment ou inconsciemment. Bienvenue. Tu vas briser toutes ces alliances par le sang de Jésus. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Tu vas briser toutes les alliances scellées avec le monde occulte et tu vas briser, bienvenue, les malédictions qui y sont associées et les esprits qui sont associés. Alléluia. Généralement, derrière les alliances, il y a des esprits qui sont là pour accomplir ces alliances-là. Mais tu vas briser les malédictions, mais attaché à ces alliances maléfiques. Et tu vas lier les esprits attachés à ces alliances maléfiques. Alléluia. Proclamons trois fois le sang de Jésus. Nous allons briser les alliances maléfiques. C'est là avec les mondes occultes. Proclamons trois fois le sang de Jésus. Un, deux, trois. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Dieu Tout-Puissant, nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Nous invoquons la puissance du sang de la nouvelle alliance. Puissant de Jacob, lève-toi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens briser toutes les alliances que j'ai scellées. C'est notre Dieu. Par imprudence, où j'ai scellé consciemment et inconsciemment, je brise ces alliances maléfiques. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens briser ces alliances maléfiques. Je viens les briser. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Au nom puissant de Jésus-Christ, Maître du ciel et de la terre, glorifie ton nom. Je lis tous les esprits attachés aux alliances maléfiques au nom puissant de Jésus. Je renvoie ces esprits dans leur milieu d'origine au nom puissant de Jésus. Je lis ces esprits, je les renvoie dans le lieu aride, qu'ils ne reviennent plus jamais au nom puissant de Jésus. Je brise les alliances maléfiques, j'essaie avec le monde occulte, avec le monde des sorciers. Je brise ces alliances au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Dieu Tout-Puissant, merci. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier dans le Seigneur. Parfois, bien-aimé, on t'a amené, bien-aimé, à prendre l'interdit. Tu as mis l'interdit dans ta maison. Alléluia. Peut-être c'est un habit. Alléluia. Peut-être tu as acheté, bien-aimé, un habit que tu as acheté sans le savoir. Mais peut-être un habit qui est un interdit. Alléluia. C'est un habit, bien-aimé, qui est sacrifié à Satan, le diable. Mais que toi, bien-aimé, tu as amené dans ta maison sans le savoir. Bien-aimé, tu vas prier, bien-aimé, pour lui. Seigneur notre Dieu, j'anéantis le pouvoir de tout interdit dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison, dans mes relations. Peut-être c'est l'argent aussi, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu as pris l'argent, bien-aimé, de quelqu'un, bien-aimé. C'est quelqu'un qui est dans le monde occulte. Alléluia. Bien-aimé, tu vas briser, bien-aimé, dans le Seigneur, le pouvoir de tout interdit, n'est-ce pas, dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Bien-aimé, à quand il avait pris, bien-aimé, l'interdit? Il l'a mené dans sa maison et Israël a eu un échec devant Haï. Nous allons maintenant prier.
Tu vas dire, Seigneur, je brise le pouvoir de tout interdit dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, au nom puissant de Jésus. Proclamons trois fois le sang de Jésus. Un, deux, trois. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Dieu Tout-Puissant, nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Je viens briser le pouvoir de tout interdit. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise le pouvoir de tout interdit dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans ma famille. Je viens briser le pouvoir de tout interdit dans tous les domaines de ma vie. Au nom puissant de Jésus, tendre Père, que tout interdit dans ma maison soit démasqué. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta victoire. Bienvenue dans le Seigneur. Mesdames et messieurs, nous allons bien prier, n'est-ce pas, bien-aimés, que tout ce que l'ennemi vient dans le Seigneur, alléluia. Tout plan de l'ennemi, tout objet vient de l'ennemi, toute alliance vient de celle avec l'ennemi, bien-aimés, soit démasqué, soit mis à nu au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, que tout ce qui agit contre nous dans le ténèbre, bien-aimés, soit démasqué, soit mis à nu. Et en même temps, soit mis hors d'état de nuire au nom puissant de Jésus. Mais que tout ce qui agit contre toi, contre ta famille, dans le ténèbre, mais soit mis en lumière, soit mis en, soit démasqué au nom puissant de Jésus. Mais que les alliances occultes qui agissent contre toi soient démasquées et neutralisées au nom puissant de Jésus. Alléluia. Invoquons trois fois le feu du Saint-Esprit des trois. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Dieu Tout-Puissant. Merci pour le feu de volant. Tendre Père, nous prions, c'est notre Dieu. Que l'ennemi soit démasqué. Que l'ennemi soit démasqué. Au nom puissant de Jésus. Que le plan de l'ennemi soit démasqué. Tendre Père, par ta lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Que tout ce qui est caché dans le ténèbre soit mis à nu. Au nom puissant de Jésus. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Que tout ce qui est caché dans le ténèbre soit mis à nu. Au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Dieu Tout-Puissant, merci pour ton règne et pour ton autorité. Que tout ce que l'ennemi a planifié soit mis à nu. Au nom puissant de Jésus. Que tout plan de l'ennemi soit mis à nu. Que tout plan de l'ennemi soit mis à nu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta victoire et pour ton œuvre à croix. Je proclame ton règne et ton autorité. Les dieux de l'impossible, les dieux de gloire, les dieux de miséricorde, que le plan de l'ennemi soit mis à nu au nom puissant de Jésus-Christ. Que le plan de l'ennemi soit mis à nu au nom puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta victoire, pour ton œuvre à la croix. Au nom de Jésus, et de notre Dieu, que tout ce que l'ennemi a mis à planifier, c'est notre Dieu, soit démasqué. Que tout ce que l'ennemi a préparé soit démasqué au nom puissant de Jésus-Christ. Et de notre Dieu, même à travers le rêve, que les attaques de l'ennemi soient démasquées, soient mises à nu au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, que tout ce qui est caché soit mis à nu. Tendre Père, que tout ce que l'ennemi a planifié dans le ténèbre soit mis à nu. Au nom puissant de Jésus, ce que l'ennemi a planifié contre la vie de mon frère, contre la vie de ma soeur, contre nos familles respectives, que tout plan de l'ennemi, à lui qui a été causé dans le ténèbre, soit démasqué et soit mis hors d'état de nuire. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Seigneur, merci pour ta victoire. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur, commence à proclamer la victoire à travers le sang de Jésus. Tendre Père, merci pour bien, mais commence à célébrer la victoire et à déclarer la délivrance, n'est-ce pas, de toutes les alliances occultes. Alléluia. Bien, que Dieu te délivre de toutes les alliances occultes. Alléluia. Que Dieu, bien, de son puissant, démasque. Bien, commence, bien, à célébrer la victoire et en même temps, commence à proclamer la délivrance dans ta vie, dans ta famille, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tendre Père, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang qui a été versé à Golgotha. Nous célébrons la délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Nous célébrons la délivrance dans tous les détails, dans tous les aspects de nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons et confessons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde. Maître du ciel et de la terre, merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus, nous t'élevons à la plus haute place et nous te bénissons. Éternel Dieu Tout-Puissant, glorifie ton nom et manifeste ta gloire. Au nom puissant de Jésus, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Maître du ciel et de la terre, nous bénissons ton Seigneur, les dieux de la délivrance. Lève-toi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Lève-toi, éternel Dieu Tout-Puissant, dans tous les détails, dans tous les aspects de nos vies. Au nom puissant de Jésus, que tu t'élèves, éternel Dieu Tout-Puissant. Que tu t'élèves, au nom puissant de Jésus. Merci pour la vie de Dieu. Merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus, nous célébrons ta victoire, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous proclamons ton règne et ton autorité, au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Au nom puissant de Jésus,
Que l'honneur, la gloire, la majesté te revienne. Toi, le Dieu de victoire, Seigneur, merci. Alléluia. Seigneur notre Dieu, même que toutes les alliances qui ont été scellées par nos parents, sans le savoir, qui nous causent du tort aujourd'hui, bien aimé, que ces alliances soient démasquées, soient mises hors d'état de nuire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce. Merci pour la délivrance. Merci pour la libération de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci cher Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. 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 Saint-Esprit, merci de libérer mon frère, de libérer ma soeur, de libérer nos vies vis-à-vis de toutes ces choses qui ont été faites dans le ténèbre sans qu'on le sache, qui sont à la base, c'est notre idée, de problèmes, qui sont à la base des difficultés dans nos vies, dans tous les domaines de nos vies. Tendre Père, merci de nous en délivrer au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ta victoire dans nos vies. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent. Que l'Éternel, mon Dieu, fasse lui sur vous sa face, qu'il vous accorde sa paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que nous t'avons ainsi prié. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. À très bientôt. Merci. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, soyez bénis, vous tous. En tout cas, de tout cœur, merci. Que Dieu se souvienne de vous. À très bientôt. Merci.